Bonjour, alors j'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres un petit colis auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais faire la vidéo assez rapidement parce que d'après ce que j'ai compris, c'est des produits qui viennent de sortir, ce sont des nouveautés. Donc enfin, d'après la conclusion que j'en fais, je ne sais pas pourquoi je les ai reçus, mais en tout cas j'étais ravie puisque ce sont des produits d'une gamme que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est le Petit Marseillais. Donc j'ai reçu ce paquet, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais j'étais très contente et ce fut une très très bonne surprise parce que je trouve ce petit paquet super mignon et super sympa. Donc je remercie bien sûr le Petit Marseillais d'avoir pensé à moi, j'en suis ravie. Et donc je vais vous ouvrir pour vous montrer les produits d'une gamme qu'on connaît quand même toutes presque, je pense toutes ou presque, et surtout sur YouTube du Petit Marseillais. Apparemment je pense que c'est des nouveautés qu'ils ont sorties. Donc vous voyez, c'est très très bien présenté. La boîte est déjà super mimi, donc je vais la garder. Avec papier de soie à l'intérieur, petite documentation qui nous fait rêver et qui nous fait surtout songer à l'été, les beaux jours, avec plongée dans l'univers du soin marin. Donc voilà, avec toute leur nouvelle gamme de produits, les explications. Enfin un petit livret qui est très très bien fait de tous les produits que vous pouvez retrouver et aussi de leur site Facebook, Snapchat, etc. Et je vous rappellerai moi aussi leur lien en barre d'infos. Donc dans ce coffret, comme vous le voyez, qui est très bien présenté, il y a donc j'ai testé, en fait moi j'ai pas testé le gel douche pour l'instant, donc je peux pas vous dire. Mais j'ai tout de suite testé le petit stick parfumé, voilà, qui sent fabuleusement bon, on va dire, qui est très frais. Alors honnêtement, je l'ai testé pour pouvoir vous en parler là maintenant, mais c'est pas quelque chose que je vais mettre en hiver ou en cette saison, mais que je vais garder. Je trouve que c'est les odeurs marines, là, ces odeurs qu'ils ont sorties pour cette gamme, déjà bon, au niveau packaging, j'adore. Et ensuite, ces odeurs-là sont plutôt printanières. Moi, je trouve que c'est idéal pour le printemps, même peut-être après l'été, mais vraiment, au niveau du printemps, je trouve que ça va bien m'aider, me rebooster et surtout m'aider à tenir jusqu'à l'été, les vacances. Donc, c'est une odeur marine, mais un petit peu fleurie aussi, qui est très légère, qui est aérienne et qui tient. C'est-à-dire que j'en ai mis ce matin, je fais la vidéo, on est quand même en milieu d'après-midi, et je dois dire que ça sent toujours. Donc, j'ai été surprise par la tenue du stick, parce qu'en général, les sticks, bon, voilà. Mais enfin, ça ne dure pas énormément de temps. Et ce qui m'a interpellée aussi, ce que je veux pas, déjà, je vais bien vous le montrer, mais je prendrai une photo du coffret. C'est surtout que dans ce stick, il est fait sans sel d'aluminium. Et alors ça, voilà, ça a été ça a fini de me convaincre parce qu'on trouve des sels d'aluminium dans beaucoup de choses. De moins en moins, les créateurs les font attention. Mais là, vraiment, ils ont sorti une gamme avec ces petits soins parfumés sans sel d'aluminium. C'est bien précisé, testé dermatologiquement. Sans sel d'aluminium, sans alcool, anti-trace, donc top. Vous avez le gel douche, donc qui est dans la même odeur. Hein. Je ne l'ai pas testé le gel douche, en revanche, je vais le tester ce soir et je vous dirai dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai sûrement. Et le, excusez-moi, le lait. Alors là, le lait, par contre, je l'ai testé. Il sent très très bon. Je l'ai testé essentiellement sur les mains parce que je me suis pas douchée, donc je me suis pas tartinée de corps pour l'instant d'huile, de lait, mais j'ai voulu le tester au moins sur les mains pour voir la tenue aussi au niveau du parfum, parce que c'est un parfum qui est quand même très léger. C'est pas les parfums d'hiver, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, printanier, donc c'est un parfum léger et je voulais voir sa tenue. Et en fait, une tenue excellente.
Très légère, moi j'aime beaucoup. Alors, moi ça me convient très bien au niveau de ma peau, c'est vraiment super. Après, bon, en principe, avec le petit Marseillais, il n'y a pas de souci. Ce sont vraiment des produits dermatologiques, enfin testés dermatologiquement, pas dermatologiques, mais testés dermatologiquement. Excusez-moi, je bafouille, j'allais y arriver. Donc, on est censé quand même être. Moi, je les utilise beaucoup là en ce moment. On est plutôt dans une période d'hiver, donc j'utilise plutôt le petit Marseillais en lait pour le corps, en miel, parce que ça me va plus pour cette saison. Mais au printemps, je vais me baser sur celui-là. Et celui-là, je l'ai mis dès que je l'ai reçu. Et il sent toujours aussi bon. Il n'a pas bougé, donc il a vraiment une tenue impeccable. Au niveau odeur, j'ai été vraiment très très agréablement surprise pour un parfum aussi léger et aussi aérien. Je pensais pas que ça ait une telle tenue. Et vraiment, ils sont très très bien. Donc moi, au niveau réaction cutanée, au niveau des mains, bon, j'ai rien eu, ça se passe très très bien. Le petit Marseillais, voilà, comme je le dis, reste dans une gamme qui est très bien. Ça me convient à moi, ça peut me convenir. Ça peut ne pas convenir à d'autres personnes, mais j'ai reçu ce coffret, donc je voulais vous le faire partager et vous montrer les nouveautés du petit Marseillais en vous invitant à aller surtout sur leur site, visiter leur site. Bien sûr, je les remercie infiniment parce que je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce magnifique coffret. J'en suis ravie, je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu, mais j'en suis vraiment très touchée et très contente. Super, super ravie. Voilà, donc je pense que c'est une belle découverte que je voulais vous faire partager. Et voilà, je pense que d'autres personnes sur YouTube vont en parler. Mais moi, je voulais pas attendre parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et je pense que voilà, ça nous plonge vers les beaux jours et c'est super agréable. Voilà, donc je remercie énormément le petit Marseillais d'avoir pensé à moi. Je vous remercie d'être tous les jours un petit peu plus à vous abonner à ma chaîne. Ça me touche, ça me fait énormément plaisir. Je vous invite à liker si vous aimez la vidéo, à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, en faisant des commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Je suis disponible, il n'y a pas de problème. Et je vous laisserai bien sûr les infos du site du Petit Marseillais que vous pouvez aller visiter sur internet. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, bien, bien et surtout, à très bientôt!